Laissez-moi dire nous que conseil présidentiel transition li prend deux gros coups journée mercredi 20 novembre 2024 là. Tendez bien samedi. Conseil présidentiel transition pays d'Haïti li prend deux gros coups journée mercredi 20 novembre 2024 là. Premier ça que conseil a prend comme coup c'est que conseil a attendu que conseil sécurité des Nations Unies hein, pour qu'il t'ait voté une résolution pour te transformer mission multinationale qu'il a en une mission maintien la paix. C'est bien samedi. Hein. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que KPT hein, mettait avec gouvernement Alix Didier Fils-Aimé hein, n'est que t'a attendu là. Mais c'est dans le Tapton que, puisque pays la Russie et la Chine, si on te convoqué une séance publique travail Conseil Sécurité des Nations Unies, yon Tapton que Conseil a décidé pour que li capable tende demande haïtien, tende cri haïtien yo, puis yon te transformé mission ça en mission maintient la paix. Malheureusement, pays la Chine a créé la Russie, ils n'ont pas décidé de transformer mission ça. Et ils dit que condition pas réunie pour que déploiement en mission Nations Unies fait en Haïti. Tenez bien samedi. Conseil sécurité, hein, puisque Kenya deux pays, c'était la Russie avec la Chine, ils ont été convoqués pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies hein, et ils ont après discuté sur le dossier Haïti. Hein. Ça a passé à Haïti dans le moment. Et c'est, ça a été en pile qui est content. Les que leaders politiques, nous, les que membres KPT, les que gouvernement Fils-Aimé, t'étendais que pays la Russie avec la Chine convoqué pour que au capable chita sur dossier Haïti. Yo t'ai attendre que t'après le gagner. Yo réponse positive. Mais malheureusement, pas que rien sorti, c'est que jusqu'à présent ni la Russie ni la Chine yo kebe même position yo, yo opposé avec dossier ça. Et on montre que pendant 30 l'année que Nations Unies a fait déploiement en Haïti et ça coûtait plusieurs milliards de dollars, pas jamais de solution qui baille. C'était bien samedi. Et on montre que pendant plusieurs années, que pendant plus que 30 l'année, Nations Unies a voué mission principale en Haïti et qui coûtait Nations Unies plusieurs milliers de dollars, mais pas jamais une solution qui baille. Et ça fait me songer et ça rappelle les que ancien PM Gaïkoni te dit que communauté internationale là, il était clairement dit que les bouquets avec Haïti, yo bouquets avec nous, yo que trop l'année que y a été Haïti, yo pas jamais ouais ça créé amélioration la condition haïtienne. Mais définitivement, mais finalement, nous est que pas de aucune aide, pas de aucun support qui vraiment abaille avec Haïti pour aider une sortie dans cette année-là. OK? Pas de aucun support vraiment, pas de aucune aide vraiment qui abaille avec Haïti pour aider une sortie dans cette année-là. Ça veut dire que problème haïtien, je que moi toujours dis, avec Désir Venesse, eh bien c'est haïtien qui pour retirer tête dans sa vie là. C'est soi-disant, mon que nous les autorités nous yo, c'est yo même qui pour retirer Haïti dans sa vie là. L'autre que Carlotte que KPT apprend,
c'est là que président pays la France non Emmanuel Macron monsieur dit les qu'elle était moi dit c'est Chili monsieur était et bien qu'il y a un haïtien qui mandé Emmanuel Macron qui ça l'a fait avec dossier haïtien puisque pays la France li pa innocent nan sa Haiti ap konnen la. Emmanuel Macron répond pou l'di, tande bien. Monsieur dit que tande bien. Président pays français Emmanuel Macron li fait déclaration que m'gal di nou et m'gal tande la pendant que li te nan yon visite nan pays Chili. Après un citoyen haïtien t'a posé la question sous responsabilité la France dans crise qu'a brassé bi l'Haïti. Eh bien Emmanuel Macron monsieur accusé haïtien yo dans sa qu'a passé en Haïti. Emmanuel Macron président pays français monsieur accusé haïtien pareil moi yo pareil ou yo nan sa ka passé en Haïti hein. Monsieur dit que monsieur dit yo quitté yo bande narcotrafiquant a fonctionné en Haïti chef l'état français hein? Monsieur qualifié des stupides moun ki révoqué ancien PM Gaïkoni yo premier ministre là selon Emmanuel Macron n'a cité premier ministre là t'a fait un bon travail yo pas de voyer aller déclaration Emmanuel Macron qui dit la France pas qu'à remplacer autorité haïtienne yo m'a fait entendre Emmanuel Macron c'est vrai c'est en français même pas c'est que l'a important pour nous entendre. OK? Moi faire entendre Emmanuel Macron. Monsieur clairement dit que c'est haïtien qui responsable de situation Haïti. Entendez monsieur. La pression pour trouver des armes, ça ne passe pas. Franchement, c'est les haïtiens qui ont tué Haïti. En laissant le narcotrafic, et là ce qu'ils ont fait, le premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi je peux pas remplacer, ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. On défendait le Premier ministre, on était... La pression pour trouver des armes, ça ne marche pas. La pression pour trouver des armes, ça ne marche pas. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti. En laissant le narcotrafic, et là ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'était terrible, c'est terrible. Et moi je peux pas remplacer, ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. On défendait le Premier ministre, on était... La pression pour trouver... Mes amis, t'es bien. T'es bien. Monsieur dit que c'est haïtien qui détruit Haïti. Emmanuel Macron dit, c'est haïtien qui détruit Haïti. Ils ont accepté un ensemble de narcotrafiquants rentrer en Haïti, à vivre en Haïti. OK? Et il dit que... T'es bien, il dit... que li pa janm ka remplacer autorité haïtienne yo mais c'est vrai li pa janm ka remplacer autorité haïtienne yo li dit tout que haïtien pa janm sorti nan sa yo là parce que c'est eux même encore qui mettait tête là haïtien pa janm sorti non nan sa ville là parce que c'est eux même qui mettait tête là et le fait que c'est mettait tête nous là ça veut dire que eh bien c'est même moun kené les autorités yo c'est même moun kené les dirigeants yo c'est yo même qui mettait Haïti là eh bien le fait que c'est même qui mettait Haïti là yo accepté que des narcotrafiquants a dans pays d'Haïti yo accepté que a fait instabilité yo accepté que a fait dérive en dans pays hein eh bien Haïti va jamais sortir dans ça là
Et lui-même allait plus loin pour dire que lui estimait, lui jugeait que un CPM Gaïkoni t'a fait un bon travail, bien dit. M'a cité Emmanuel Macron. Lui dit que lui estimait, lui jugeait que Gaïkoni t'a fait un bon travail. Il faut y aller. Mais qu'on y a, go paquet de paramètres pour nous garder. Parce que émission aujourd'hui, hein, bien que des idées pourquoi avec, mais j'espère que nous comprenons, ok, comprenons ça bien là. Pas oublier que aujourd'hui, hein, on pas innocenté communauté internationale non, dans Haïti à qu'on est là. Parce que m'a blé haïtien affolé de ça Emmanuel Macron dit hein. Yombo Emmanuel Macron que vérité que il dit dans ça dit hein. Mais on l'autre bord tout faut que nous garder est-ce que ça Emmanuel Macron dit yo est-ce que tout ça dit yo nous oblige à accepter avec elle. Je m'a que mon qui des dimension comprendre ça m'a dit là. OK. Et ça Emmanuel Macron dit, lui doit servir de leçon pour que nous comprenions problème haïtien, c'est haïtien pour être Haïti la donne. Comprenez bien. Dans la situation Haïti trouvé le jeune aujourd'hui, c'est haïtien, quel que soit couleur peau. Quel que soit Jean-Chier Votéye, quel que soit rang social, quel que soit niveau intellectuel qu'on y est, je dis en comprendre que c'est haïtien d'abord qui vous retire Haïti dans sa lit là. Ça c'est premier, ça me tire comme leçon moi-même. Et le clair, Macron dit que les papes qui ont remplacé l'autorité haïtienne. Yo. Et quel que soit mon cap garde cap tandem là qui habitué tandem habitué gardem moi toujours dis ça et pas ni américain ni blanc français ni blanc canadien cap venir tirer Haïti dans ça là yo capable aider ou si vous voulez à bien dire yo capable aider ou si vous jugez que vous voulez aider ou mais ou pas qu'à mettre espoir sur yo ou pas qu'à attendre qu'il est américain font bagaille pour nous qu'il est canadien font bagaille pour nous qu'il est français font bagaille pour nous qu'il est nations unies font bagaille pour nous qu'il est OEA font bagaille pour nous mais c'est n'arrêter tellement demander ça pendant plus que 30 l'année qu'on a joué dans le pays d'Haïti. Joué dans le pays d'Haïti. Et m'a pas nous menti. Dis pas qu'à la Jean-Li. Nous pays d'Haïti. Nous pays d'Haïti pays nous. C'est jeudi. C'est gang armé. C'est nek avec zam illégal dans le pays. C'est eux même qui ont la voix au chapitre dans le pays d'Haïti. Oui, Fandi Bagalay. C'est nek armé. Nek ki gen zam illégal nan men yo. C'est yo ki gen la voix au chapitre nan pays. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Ça veut dire. Les pou nessayer comprendre ça gen là. Je dis hein. Est-ce que nous connaissons je n'ai pas mis plus gros groupe moun qui détruit Haïti, c'est politiciens haïtiens. Je veux dire, parler avec toute sincérité. Comme d'habitude, à me dire. Est-ce que nous connaissons pas mis premier groupe moun qui crase Haïti? Les c'est politiciens haïtiens. Les c'est oligarques corrompus. Ah oui.
lycée politiciens haïtiens, lycée oligarques corrompus, lycée armés, et en l'état net, la communauté internationale. Je vais l'expliquer. Je ne dis pas que c'était bon sous Duvalier parce que je ne suis pas ni père ni fils. Je ne dis pas que c'était bon. Mais histoire rapportée, c'est vrai. Nous avons un régime Boudi. Eh bien, nous avons dit que nous avons sorti dans la démocratie, dans la dictature, nous avons pris la démocratie. Mais je dis, en pile, nous avons quitté Goumé pour que nous avons la démocratie. Hein? Je dis en pile nan a dit que Haïti pot comparer pour te prendre démocratie ça. Pas vrai? En pile nan nous dit Haïti a pot comparer pour qu'il te prenne démocratie. Hein? Parce que on regarde avec démocratie ça nous craser production nationale pays. Hein? Nous détruit cochon créole nous yo. Pour vieux cochon du long étranger. OK? Donc, nous détruisons la production de Dirinouan pour dire Pépé à Poté Banouyo. Vieux poisson Miami. OK? Et comment boire les 3 pour 15 saletés? Au lieu que nous t'encourager une politique agricole pour te permettre que même les jodis, le pays a été toujours dans une situation difficile, oui. Mais ce n'est pas dans le niveau que le est là. Et en même temps, tout, dans la question de l'insécurité alimentaire, nous ne pouvons pas gagner plus que 5 millions d'Haïtiens qui sont dans le grand goût. Parce que, vous avez dit clair, en pile dans les jeunes garçons, qui est des âmes, je dis, hein? Est-ce qu'ils connaissent? Si que si te ke san rele même les pap di gros infrastructure, mais est-ce que nous connaissons si te gagné exactement qui est sur production agricole en dans pays hein? Secteur ça t'a travail, est-ce que nous te connaît que moi, je suis certain. Dans le niveau de misère, grand goût ça. Dans le niveau d'insécurité, ça. Moi, je suis certain, je doute. Je ne doute pas, non. Que le patap dans le niveau ça. Le patap dans le niveau ça. Je dis, hein. Il y a un premier groupe de monde. Pour que. Nous rendons responsables, nous rendons coupables dans la situation haïtienne, lycée politicien nous. Lycée politicien nous. Bah, retirer une météo, lycée politicien nous. Parce que yo vend pays à bay étranger. Yo vend Haïti bay blanc. Et yo vend sous toute forme. Ah oui, yo vann Haïti à bay blanc. Yo vann étranger à bay blanc. Yo vann sous toute forme. Donc je dis, nous pas qu'à à parler de destruction Haïti pour ne pas parler de classe politique haïtienne. Pour ne pas parler de yo. Après que yo fin vann pays à bay blanc. Pour yon consolide pouvoir yon, yon décide à mes jeunes garçons dans le ghetto. Je pas oublié. Gyan pile nèg la, les plus terribles présidents, c'est en bakout zam. Gyan pile fama garçon la, les plus terribles députés, c'est en bakout zam. Yeah. Les plus terribles sénateurs, c'est en bakout zam. Magistrat sans bakout zam. Ça veut dire que yo te décidé à mes jeunes garçons de ghetto pour défendre l'intérêt yo.
pour défendre l'intérêt. Donc je dis, c'est yo, yo c'est pas mi moun qui crée mon sac que là yo. Yo c'est pas mi moun qui ba nous vivre ensemble classe politique haïtienne. Nan. Ah oui. Mon gars qui a fâché même ba vérité ya. Yo c'est pas mi secteur qui ba nous vivre ensemble jodi an. Je vais regarder les vivants ensemble créer faire coalition. Mais je dis que c'est eux qui bat nous, je ne sais pas, mais vous, qui bat nous jeunes garçons armés dans le pays. La classe politique haïtienne, c'est eux qui la donne. Donc je dis en tout, il faut regarder le secteur privé à faire haïtien. Le secteur privé à faire haïtien, que je que nous avons dit là, je que. Président Jovenel qu'on a dit là, oligarque corrompu. Ok? Parce que je dis à comprendre très bien. Les que de nègres dans le secteur privé, il y a des franchises douanières. Ça n'est pas, il y a des autorisations, il y a des capacités avec marchandises, il y a des paquets de privilèges qui jouent dans l'État. Conteneur qui a venu chez vous, avec batte qui a gagné dans vous. Et même les gens qui sont dans le secteur privé fait haïtien, ils ont été têtu, alors, ils ont été têtu dans une concurrence déloyale. Ils ont détruit beaucoup de gens qui sont dans le même secteur avec vous. Eh bien, pour protéger le business, pour protéger le terrain, ils ont décidé de servir avec un groupe de jeunes garçons. En face l'autre monde qui c'est et comment grand nèg même j'avais yo je dis en garde ma qui très clair même je gain division dans secteur dans classe politique haïtienne nan gè gros division tout oui dans secteur privé affaire haïtien gè gros division pas penser que l'autre secteur privé a fait haïtien, comme si tout le monde union. Non, pas comme ça. Yo chaque a cherché un monopole économique pour haïtien. Et qu'on a pour capable gagner monopole économique pour haïtien, yo obligé à détruire pareil yo. Et meilleure façon pour détruire pareil yo, c'est leur décider utiliser masse défavorisée. Les qui ont décidé mettre des hommes dans mes jeunes garçons de ghetto. Et voilà que Kounia, les qui ont fini à mes jeunes garçons de ghetto, les qui ont décidé mettre des hommes dans mes jeunes garçons de ghetto pour travailler dans l'intérêt. Et jeunes garçons, ça, chaque fois que vous avez utilisé pour y faire mission pour vous, yo ba ou l'argent, yo ba ou ensemble de avantages. Et bien, pas oublier que les que mission sa fin exécuté, yo pas besoin ou encore. Yo pas utilisé ou encore. Et les comme ça, yo quitte avec toutes les âmes dans main yo. Yo quitte avec toutes les âmes dans main yo. Ça veut dire que jodi hein, ni classe politique haïtienne, ni secteur privé haïtien, hein, qui yo même mette zam dans mes jeunes garçons yo dans intérêt yo jodiyan la yo responsable de sécurité en Haïti yo responsable de insécurité en Haïti kounya ou pral zim parce que pas oublier en sérieux pas oublier que de connivence c'est moi toujours dis ça ici résout problème insécurité yo. Li pas seulement mener opération pour dénicher, pour démanteler bandi armé dans ghetto yo, ça ni les bandi à sapatio. Non. Li pas seulement ça. OK? Li pas seulement mener opération dans Badelma, dans Bel Air, dans village, dans Grand Ravine, dans Croix des Bouquets pour dénicher, pour démanteler bandi armé à sapatio. Mais résoudre problème insécurité en tout.
li c'est une bataille contre groupe moun qui n'a commis zam en notre pays. Ah oui. Parce que je dis ça ici. Hein? Tout yé barbecue, tout yé iso, tout yé tout chef de gang qui est là. Yo. Ou dis-moi ce que tout yé tout, et ni chef gang ni pépinier. Yo. M'garantis ou, après 10, 15, 20, 25 ans encore, n'a tourné dans la même situation. Si d'abord, nous pas comprendre que vrai problème n'a fallu poser à la base. Problème inégalité sociale n'a fallu résoudre. Problème justice sociale n'a tout fallu résoudre. Problème socio-économique n'a fallu résoudre. Moi comprendre que il n'y a pas qu'à résoudre un bon matin. Mais il faut commencer à faire des projections pour nous résoudre problèmes socio-économiques, problèmes de base. Il faut commencer à penser sur ça. Parce que, je vais vous remarquer ça. Majorité, soit jeunes garçons, jeunes femmes, adolescents, qui n'ont pas de gang, ou après que c'est des petits jeunes et des petits mouns qui étaient frustrés parce que ils ont un train de vie qui n'ont pas de gagné. Ils ont un rang social qui n'ont pas de gagné. Ils ont des humiliations qui ont appris dans la vie. Parce que ils ont des problèmes qui d'abord pas de poser dans la famille et ils ont des problèmes tout que l'État à travers l'autorité, ils ont pas prendre responsabilité pour éviter qu'il puisse arriver là. Vous comprenez ce que je dis, hein? C'est pas l'État qui veut craindre les gens. Et pas l'État qui veut craindre les gens. Par exemple, mon ami Jamni, il fait n'importe 7-8 gens. Bon, vous avez pouvoir faire quantité de gens, vous voulez 7. Parce que, bagarre ou non quoi, vous avez fait ça, vous voulez, j'en voulez. Mais Kounia, est-ce qu'on paraît pour occuper yo? Est-ce qu'on paraît tout pour que Timoun sa yo ou prenne sa responsabilité familiale envers yo même? Bas zon moun, pas fait pile Timoun. Ou ke droit de reproduction ou reproduit. Mais Kounia, l'offre Timoun nan tout pas ka occuper. Ou fait un crime tout. Ou fait un crime sous tête tout. Ou fait un crime sous Timoun ça. Et ou fait un crime sous société. Yon. Parce que Timoun ça, qui ou tombe grené, 6, 7, 8, 9, 10 Timoun nan. Et ou pas ka occupe yon. Mais ou tout dit tête tout. Ou va créer des lécans, vagabond, pas qu'on est mauvais affaire en pile nan yon. Parce que Timoun nan, le que ou même comme papa et maman ou levé nan kailan, ou pas qu'à bal manger, ou pas qu'à occuper. Eh bien, libéral fusqué, elle regarde petite voisine. Nan. Ok? Et en même temps, tout, libéral joue l'autre Simon qui va jouer dans la tête, qui va proposer un ensemble de bagailles. Eh bien, lui-même, comme il en a besoin, hein? Comme il en a nécessité, hein? Libéral fait. Et puis devant, mes côtés qui va mener nous dans un véritable désordre. Nan. Ce qu'on a l'opéra le dîme, non, responsabilité l'État. L'État, te doué gagner dans capacité, l'État te doué gagner dans pouvoir, pour que lui prenne des dispositions, pour lui, comme t'as dit là, accompagner, prendre responsabilité. Envers Simon Sayo, envers parents Sayo. Mais quand même tout, à une limite. Parce que pour qui ça? Nous sommes pays pauvres. Nous sommes pays pauvres. Parce que, bon, je bagay. Pays qui vient pays riche, yo. C'est bon, bon matin, nous yon vini riche. Yon travaille sous ça. Et yon prend des années. Yon yon une population qui éduque, qui formée. Il y a des autorités qui comprennent
que nécessité pour que yo capable yo même eh bien respecter attribution yo. Mais en Haïti c'est le contraire. En Haïti c'est le contraire. Et je dis hein, oui, nous avons droit à l'éducation. Nous avons droit à la santé. Nous avons droit au logement. Nous avons droit à la manger. Nous avons droit au logement. Comme si, pour que nous avons train de vie. Ensemble de droits, ça n'a pas respecté. Que les gens qui passaient et qui étaient coumés dans le moment de la loi 87 ans, qui mettait ensemble de loi ça yo de 87 à jodi an et bien tout ensemble de loi ça a violé qu'on attend que n'a privé dans niveau ça attend que le fait que ti regardez ti chimé maligne OK nous pas essayer prendre cal prendre soin pour qu'il soit capable guérir et bien la vie ba nous gros java. Et je dis c'est Java ça qui est là. Java pile Simon que l'État pas de contrôle sur pouvoir fait Simon mesdames yo. L'État pas de contrôle dans question ça ne les délicace juvénile accompagnement famille pas de bagarre comme ça. L'État pas de aucune politique familiale qui vous te permettre que yo te capable de contrôle famille yo. Et pour te éviter pour tomber là pas gagner l'école assez pas gagner ce professionnel assez l'état pas fait route pas vraiment investir l'état pas investi dans rien non mais on dit de 86 à jodi an dans quel plus gros secteur que on connaît pouvoir qui passe yo rive sous bande messieurs dames qui là yo nan pi gros secteur que l'état yo investi pour te empêcher pour arriver là nan mais nous on dit ça parce que je zambawel c'est pas jodi an non les n'a dit que on moun ka vivre en Haïti li c'est un héros. Parce que je veux dire, la vie me mal, c'est vrai. Mais en sérieux. En sérieux. Et bien, je veux dire seulement. Ça te carrigé. Dans le niveau insécurité, ça. Que nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Mais tu as toujours des problèmes. Tu as toujours des gens qui ne peuvent pas manger. Tu as toujours des gens qui ont dormi dans la rue. La vie n'est plus mal. Avec question insécurité, ça va la vie n'est plus mal qu'on y a. La vie n'est comme si pas de comparaison. Mais il n'est pas étonné, moun. Parce que il y a une préparation qui n'est pas fait à la base. José Alem Tande, président Emmanuel Macron, qui parlait pour dire que Haïti. Pas de aucun côté que le calé et Haïti haïtien même en soi yo pas vle sorti dans ça comme situation il même montre que te gon un PM qui se gagne koni qui t'a fait un bon travail yo voye l'aller OK. Je dis, même pas de problème que Emmanuel Macron, je le dis, il n'y a jamais qu'à prendre place autorité haïtienne. OK? D'accord ça? Parce que c'est français, la vérité français. OK? Et c'est pas il c'est président yon nan pays qui pi alors yon nan pays grande puissance dans monde là. OK? Mais je dis hein, est-ce que la France innocent dans ça qui a connait là tout?
m'a dit non. La France pas innocent. Et de 18 novembre 1803 à jeudi en là, la France a fait une paix en fréquence. La France a fait une paix, une dérespectant qu'elle t'a fait dans le monde. Fanda quoi ça? Fanda quoi ça? Mais qu'on y a problème qui gagne. Si n'était que moun qui c'était moun vraiment comme autorité, comme dirigeant, malgré tout ça qu'autant de que communauté internationale a fait là, mais si yo te intégré des moun qui était capable parler avec you, qui était capable défendre terrain nous, moi certain gebaga va jamais ka oser faire haïtien. Nous faisons payer d'être indépendance jusqu'à présent. Pas parler la France de payer, de rembourser Haïti d'être indépendance. Non. Ok? Ok? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je dis, hein, oui, nous comprenons que nous payons une dette, nous payons une fréquence. Et me songe, gain, quoi c'est avocat, quoi c'est Frédéric Denis Julien, si je me trompe. Je dis au bagaille, tu te dis que haïtien, faut nous goumer pour que nous retirions souveraineté nous dans les États-Unis, dans le Canada, dans la France. Parce que je dis, pas aucun dirigeant haïtien, pas aucune autorité qui passe dans le pays, et même ça qui l'a eu, quel que soit le KPT, le fils aimé, le Ariel Henry, l'été Koni, l'été Jovenel, l'été Matéli, l'été Privert, l'été Aristide, l'été Préval, qui a dit que nous c'est un peuple souverain. Non. Qui a dit que nous avons une tête, nous. M'a dit non. Et on connaît clairement que des décisions qui apprennent dans nos peuples haïtiens, il faut qu'ils consultent les États-Unis. Faut que je demande aux États-Unis, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils veulent faire ça? Faut que je demande au Canada, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont le droit pour faire ça? Faut que je demande à la France, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont le droit pour faire ça? Regardez bien. Dernière élection à Haïti, là, qu'est-ce qui va être président? Dernière élection à Haïti qui fait là, si je ne me pas trompé, peut-être 3 à 4 dernières élections en Haïti là yo. Qui est-ce qui va être président? Qui est-ce qui va être sénateur? Qui est-ce qui va être député? Hein, qu'est-ce qui va yo? Dis-moi qu'est-ce qui va nous commenter là? C'est la communauté internationale. Parfois là c'est pas États-Unis qui dit m'a ba un tel, c'est la France. Yeah, c'est la France. Le gars de Matéli, qu'est-ce qui met Matéli? Les États-Unis? Ah oui. Et qui met États-Unis? Qui met Matéli? Parce que Matéli, il s'est petit yo. Et il était tiré dans Matéli. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis que vous comprenez. Ce n'est pas développé. Il y a un sentiment patriotisme. Ce n'est pas seulement développer un sentiment nationaliste. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut nous mettre à la côté. Je dis, je ne vais pas dire au monde pour ne pas comprendre que. Ok? Ok?
OK. M'a dit que haïtien m'a dit que haïtien frèm sèm yo pour que yo pas analyser soit même j'avais et même plus que ça m'a dit là yo pour comprendre mais je dis hein l'Emmanuel Macron fait comprendre que OK OK les Emmanuel Macron fait qu'on est que oui haïtien d'accord craser pays haïtien d'accord que yo accepter que une équipe narcotrafiquant une équipe narcotrafiquant je dis en mais Haïti côté il est là et puis révoquer un PM peut-être moun ki nan Gaïkoni a trouvé son belle déclaration OK a trouvé son belle déclaration que monsieur fait mais moun ki ba nan koni a mal oué déclaration Emmanuel Macron mais moi-même m'a analyser tous les deux côtés m'a regarder tous les deux côtés parce que est-ce que Koni bien évoqué peut-être capitaine a jugé dans mission dans travail que était Koni pour exécuter à 4 avril là yo ka wè que yo pas satisfait de travail li hein ça capitaine Koni capitaine a tout cas jugé que tout Koni qui trop pouvoir passer Koni a passé pour voir pas en papier, il décide de réagir. Ça c'est eux-mêmes qui connaissent. Mais qu'on a réalité hein, que peuple haïtien opinion partagée dans mitan yo. Si gen si la te wè que koni, te commencé à bien travailler. Mais gen l'autre qui te wè que koni, pas t'appelle gen sérieux. Ça c'est opinion. Hein. Ça c'est opinion haïtien soit qui en Haïti, à l'étranger et sous réseau. Hein. Qu'à suivre chaque minute, chaque seconde, ça qu'a passé dans le pays. C'est vrai. Et je dis à qui comprennent ça. OK. Je dis un. Je dis que OK. Je dis hein. En pile monde capable comprendre que ça qui a passé à Haïti là, il mérité que en pile monde questionner qu'en pile monde garder. OK. Et comprendre résoudre le problème haïtien j'aime toujours dire là c'est pas étrange qui va me faire pour nous non il va qui va me faire pour nous il va lui même et dans ce ensemble qui comprendre si nous besoin le problème haïtien à résoudre c'est constant chaque année c'est prendre je dis à c'est vrai en pile
projecté les mains sous zone cannabis vert. En plus projecté les mains sous zone Bourdon, on partit dans Pétionville. Parce que après journée, tension, vive tension, dans mardi 19 novembre, côté policier présumé bandit, petit la vie, eh bien, pas oublié. Équipe coalition vivant sans bandit armé, ça y est, ils décidé même de côté par eux, pour yo dites yo, ils pourraient le venger à Colitio. Ils décidé dites yo, ils pourraient agir contre Colitio. Pour Colitio, disons. Ça vient de faire, zone ça y est, zone canapé vert, et m'a fait zone canapé vert. Mais diverses zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince-là, ok, yo sous alerte et habitants dans zone ça yo, yo prend en pile disposition pour yo barrer la route avec toute forme attaque que quel que soit bandit armé, quel que soit groupe criminel qui t'a gagné dans tête yo vin poser action dans zone ça yo. Peut-être que je dis hein, m'a vle moun ap rentrer dans logique parce que Pétionville la police mobilisée, mais non, m'pa vle ça parce que ça moun ap di la sou réseau hein, l'a divisé la police là et l'a fait population mal wè la police là et le pas ça. Pas oublier que bandit te mette à l'aide sur Pétionville. Bandit mette à l'aide sur Pétionville. Depuis plusieurs semaines. Eh bien, c'est vrai que la police n'est pas capable de déployer dans tous les côtés. Ok? C'est vrai que les pas capable de déployer dans divers côtés. Mais, côté qui a l'aide là, tu es obligé de mettre plus accent sur lui. C'est quoi, bon? C'est quoi, côté qui a l'être là, obligé de mettre plus focus. Et c'est là que vous pouvez jouer mardi qui c'est. Mardi qui c'est exactement 19 novembre nan, que coup chaîne garçon sa yo pral rive pèti la vie yo. C'est quoi? Et je dis hein, on me dit que quelques trois moun capable comprendre. Quelques trois moun capable garder. OK? Et où exactement ça qui gagne? Et ça qui a passé? Moi pas quoi que c'est dans violence n'a rivé résoudre problème Haïti hein. Mais faut comprendre tout chien même fou mi fou mordé même fou mi fou mordé parce que les que gêné la mordé les fou mi fou gêné la mordé. Mais peuple haïtien, à force que tellement vite à victime dans mes messieurs armés, ça y est, yo jouent quelque part pour faire un coup de bec, Jean puis mon élève là. Yo fait. Peut-être que ce n'est pas dans le niveau ça et pas ça ne te souhaité. Mais messieurs, dames, bandits armés, criminels, nous trois, monsieur, faut te connaître quand même. Peuple là, s'il jouent quand même, fait une action sur nous. Depuis le jeune, il a fait. C'est quoi, bon? Depuis le jeune, il a fait. Et il n'est pas capable d'empêcher le faire. Parce que les victimes en pile dans mes noms. Les victimes en pile dans mes noms. Et c'est là le problème qu'on a posé. Parce que barbecue souvent dit, c'est action menée, réaction.
eh bien, à force qu'il y a tellement de réactions sur le peuple, là, nous obligés de venir faire réaction eux-mêmes. À force qu'il y a tellement fait action sur le peuple, là, nous obligés de faire réaction. Ok? Et ça arrivait là. Ça qui passait là. Nécessaire pour me faire entendre Hervé Sétilus, ancien secrétaire d'État d'alphabétisation, monsieur qui t'est invité dans le point métropole avec Wendell Théodore, il t'a parlé de situation qui a passé dans le pays en sécurité et surtout dans la commune Léogane. Ah, parce que l'État est constitué de population, territoire et ensemble d'institutions. Mais la population lui-même est toujours campée pour défendre tête li. Défendre Katiel. Ça qui se passe lundi dernier, dans Vivi Michel, ou quand imagine ou abdomi la kayo, 4h30, terroriste envahi zone, tiré dans toute direction, pillé, boule kaimoun. Et n'a profité salue docteur Renan Charles Armstrong, qui victime, gan pile l'autre moun, dans communauté a qui victime par fureur. Bandio et le n'attendé barbecue qu'a parlé Moses cité non parce que li dit le porte-parole li dit le président et ensemble de terroristes qu'a fait fureur dans capitale là et un peu partout dans pays m'a posé barbecue question pour mandel est-ce que c'est Mounsolino c'est yo qui oligarque là m'a demandé barbecue malheureux malheureuse qu'a vivre dans Ville Michel qui fait effort pendant 10, 15, 20 ans pour constituer Kayo, pour arriver à bouler tout dernièrement, est-ce que c'est yo qui est oligarque là? Je pas de doute barbecue ou qu'on oligarque. D'ailleurs, c'était des amours, ils étaient financiers, ils étaient bon argent, ils étaient bonnes âmes. C'est eux qui étaient dit dans le temps. Ou qu'on Kayo. Mais pour qui ça c'est moins, c'est où? Et l'autre monde dans niveau population qui a continué, sous prétexte ou a fait révolution? Non. Barbecue, le n'attendez ou nous, wow! Comparativement avec l'autre théoricien, articulation ou son monde qui plus ou moins montrait qu'on comprenne ce qu'on va faire. Mais l'autre concept, théoriste, l'autre concept révolution, ou pas capable aussi galvauder comme ça, il n'est pas possible, il n'est pas normal. Comme. Est-ce que vous pensez que monsieur, est-ce que vous êtes capable de vivre un côté pour nous dire que, OK, révolution, oui, nous d'accord? Que il y a des choses qui méritent de changer, mais pas Jean-Marc Fell là. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça? Oui, nous sommes capables de dire comme ça. Parce que par rapport à ce qui a passé là, un pile voix levée pour dire pour qu'ils ne soient pas tournés les âmes sous le monde qui était comme Barouyo dans le temps. Mais ce n'est pas ça, Babé, qui a fait là. Qui ça, Mounsolino, qui a pour oué, avou, ou touye, ou boule kayo, moun belè, un peu partout, qui ça? Qui ça au fort, qui ça au gain pour avoir l'ou a dénoncé oligarque de monde qui te connent bon l'argent, de monde qui te connent bon zam pour peut-être consolider et permettre yo toujours reparaître sous scène politique là. Mais pourquoi c'est monde ça qui en a faveur ou connent oligarque yo. Barbecue, je dis à me prend courage moi avec deux bras pour me fonti par l'avoir. Ou qu'a remarquer l'état pas gain force pour le gouvernement avoir. Ou qu'a remarqué population pas gain force pour le gouvernement même s'il font bec hier ou fait plusieurs tentatives déjà pour prendre palais national là mon cher prend palais prend primature bail population chance pour vivre pour le cavaquer occupation malheureux malheureuse cap vivoter yo pas responsable yo pas gagné absolument avoir ou sent ou gain force ou puissant occuper palais national là monter gouvernement et puis ba nous chance pour nous vivre n'a pas obéir à caprice et à l'ordre parce que nous ouais l'état à l'exception de une frange moins du dans l'état qui c'est population cap veiller pour défendre tête li alors pas population alors grande population tout mais grand frange ben, par exemple grand frange dans institution yo qui montrer volonté yo, la qui commençait montrer une certaine volonté pour couper ça qu'a fait là mais dans le temps c'était laisser aller et même frange ça dans l'état à tout il y a de gros problèmes à l'exception de questions moyens il a demandé pour rendre plus efficace et professionnaliste mais en dehors il y a un problème l'ordre de policiers
qui yo même de connivence avec bandi. Ben m'explique un bagage Wendell, ça qui a passé sous les Ogan, un homme qui besoin venir Port-au-Prince. Hervé Saint-Illus, monsieur qui c'est un secrétaire d'État d'alphabétisation, monsieur t'a parlé dans le point avec Wendell Théodore Métropole, ça me paraît important pour nous entendre monsieur parce que là je dis en la situation est vraiment vraiment compliquée. Faut nous entendre ensemble d'acteurs publics et moi-même va approcher pas maintenant mais faut entendre monsieur. Et faut donner avec Hervé Saint-Illus par rapport avec ces choses-là. Ça qui a passé sous les Ogan, un homme qui besoin venir Port-au-Prince. Gon zone y aurait les dégâts. C'est les mêmes populations utilisées parce que depuis après un certain temps, il n'y a pas qu'à fréquenter route nationale là. Est-ce qu'on est de policiers en fonction qui a traversé machine pour bandits parce que l'autre trouve une situation 4 postes de péage. Ou fin payer premier poste de péage là, l'autre poste de péage pour éviter ou pas payer ou bien pour pas prêt à fort, chef bandit sa yo, eh bien yo fait accompagner de policiers sous motocyclette pour traverser pour éviter ou pas victime. Donc ça veut dire que les policiers cap travaillent avec bandit, qui c'est des employés des bandits. Des bandits. Des gants de Léogane pour permettre d'entrer Léogane et permettre où arriver comme faut. Qui est-ce qui paye les policiers au Guinée? Bandi. Bandi ça au paye. Bandi qui paye. C'est débat documenté, vérifié, Wendell. Documenté. Non parce que il y a information. Attendez, on peut comprendre par exemple que il y a des bandits là qui a vendu munitions, qui deux mèches. Avec bandit, cap informé bandit tout de le patrouille privée, de les chars privés. Bon, par exemple, n'est qu'à comprendre ça. Mais de la gaine comme patron, et au capéo pour permettre, pour empêcher que circulation faite, trouvez que un peu absurde. Non, pas cap dire l'absurde. C'est une vérité de la police et c'est vu et sûr. Pardon, je ne vais pas expliquer. Oui. On a les pigles pour nous dire. Ça qui passé le 10 mai et au cours de l'année 2024 là, dans Grecier, quand on a dit ancien inspecteur divisionnaire Donald Coutard, pas grand pile pour louer la donne, le vendredi, monsieur dit, policier, il a déplacé madame ni à petit, et de fait, il déplace, il prend plus bon amis, avec machine la police, il mette dehors, et puis bandit envahit sur. Non, mais tu as dit qu'il faut protéger madame ni, nous ne comprenons pas ça. Pas aucun problème, mais monsieur pas là sur le front. Policiers fait toute nuit là, oui, avec leurs mecs moyens à goumer pour défendre les communes. Malgré au moment des renforts, au moment des bacs, pas arrivé à temps, ils ont fait tout ça, ils sont capables. Eh bien, inspecteur divisionnaire, ça. Il y a un compte pour le rendre. Je pense que l'inspection générale de la police, t'as supposé relé Donald Coutard. Oui, mais ça va veut dire que le complice. D'accord avec Google 40 compte. Donald Coutard. Il a posé la question. Mais nous ne pouvons pas accuser, dit que il est coupable. Et moi, il dit. Oui, où est-ce qu'il doit dire? Mais je ne pas dire là comme ça. Donald Coutard a que... deux bagailles pour le faire. Je ne peux jamais suspendre citer non monsieur dans ce qui a passé dans le Grissier. Je ne peux jamais suspendre citer non monsieur. Il y a deux bagailles pour le faire. Je parlais avec deux amis qui sont amis monsieur, qui m'ont demandé pour me rencontrer avec monsieur. Je me dis jamais. Je ne pas dans la caravane qui a touché sur le Grissier avec Donald Coutard. Quand je vais le faire rencontrer là, ça me dit avec. Je ne suis pas dans la caravane avec elle. Monsieur, il y a deux bagages pour faire. Pourquoi nous avons dit ça là et il exige un droit de réponse. Bon, radio a décidé, la télévision a décidé. Non, mais son droit que gagne. Pas aucun problème. Depuis qu'on accuse, Wabali. On avance. Il y a deux bagages pour faire. Comme je vive les organes, si ensemble allégation me fait là, il estime me fait mentir sur lui, là, il aime la justice. M'a paré avec toute population et Grecia pour aller à la justice. Deuxième bagaille pour le faire, comme m'a vive dans les organes, ce soit M. Veim pour le tout, et si le capable. N'est pas possible, n'est pas normal de nègres dans l'institution policière là, mettez-vous avec bandit contre population. De nègres dans certains gouvernements, mettez-vous avec bandit contre population. De nègres dans le niveau secteur privé, mettez-vous avec bandit contre population. De nègres dans l'église, mettez-vous avec bandit contre population. Ma profité, vous voyez. Parce que par exemple, salutation, pasteur Malouim, quoi. Et pasteur, pas inquiétant, non, ouais, là, ou sous bonne voie, poussez, prêchez parole là, prêchez parole là. Nous avons. Qui parole?
Bon, monsieur même Javem a dénoncé, pas les bandits, dénoncé les terroristes. Ça qui a passé là, on a outouillé les gens de tous côtés, ou voler les bagages, ou piller les bagages, ou tirer sur l'avion. Jean et Pierre Espérance dit là. C'est terroriste pur qui a passé là. Et c'est raison ça que fait m'dou, on ne négocie pas avec les terroristes. Pas négocier. Moi, ouais, dans le commencement, au saluer, non seulement saluer mon Léogane, mais saluer Bessapto. Pour qui ça? Est-ce que vous avez un rôle que vous jouez dans aider nos combattants en sécurité? Oui, je profite de saluer base l'armée d'Haïti. Je m'ai demandé moyen pour eux parce que vous êtes tout ouais, yo tout tourné. La médaille ou même Bessap? Base là. M'a venu sous Bessap là. Base la médaille Haïti gagné dans rentrée Léogane yo tout tourné parce que là si gon attaque tout bon vrai bandi yo ta déterminé, m'pensé et militaire pas prêté comme ça. Mais pour raison ça, m'pensé le ta important pour au moins ta gagné deux blindés. M'a privé sous Bessap là qui sur route nationale là, le gars de situation monsieur Damio yo campé pour défendre la ville de Léogane. Bravo pour monsieur Dame Bessapio. En dépit de tout problème, de tout reproche ou café, et c'est pas mission Bessap là, ça l'a fait là. C'est question air protégé de bail comme ça. Mais le fait que gon absence dans l'état ou non l'état moribond on l'état et colliquide, eh bien dans situation ça, tout coupe main quel que soit secteur kabay pour aider population, pour aider pays, nous bat bravo pour ça. Vous parlez tout de monde mystique yo. Oui, parce que il y a des bails que je connais. Exemple. We are one of. Aïe. Hervé Saint-Illus, avec l'avancé sérieusement là, dans la question ça, parce que là, il est important pour nous connaître un tas de vérité dans la question qui est pour avec les affaires et insécurité qui passe dans le pays et ensemble de misère qui passe dans le pays. Souffrance, non. Il est vraiment, vraiment, vraiment un problème. On nous continue avec Hervé Saint-Illus, qui est même capable. Oui, parce que il y a des bails que je connais. Exemple. Aïe, aïe, aïe. Léogane pas une petite ville, même avec toute l'autre ville. Avec la reine d'Anacaona, il dit ça, il dit, il y a un pile de monde dans le secteur mystique là, qui c'est de malfaiteurs, mais il y a de monde dans le secteur mystique là, qui c'est de bon monde. Qui... Donc c'est François ça qu'on remercie. Oui. Parce que gagne tout, parce que gagne tout. Qui ferme les organes. Parce que gagne, ok, n'a pas tout fermé. Parce que gagne qui dit, gagne monde qui dit que il va prendre balle et pendant qu'il va prendre balle, c'est Jean Bédelot pour aller chercher mettre balle sur lui pour faire pas prendre balle et c'est même monde mystique ça qui a arrangé. Oui, c'est vrai, mais m'apprend et frange et scène et dans mystique là qui campé bon population pour aider empêcher bandits continuer faire ensemble d'exactions à faire là. Parlez-moi de Hervé Saint-Illus, parlez-moi de encerclement. Comment on encercle Léogane là? Bon, mystiquement Léogane son ville qui encercle sinon par rapport à de menaces bandits a fait me penser au taper rivé déjà. L'autre côté rivé. En dépit de la police là, mystiquement non, ça m'a dit à me connaître mais est-ce que Léogane y a les pieds? Non, pas force au débat au pas droit dit tout, comprendre, mais si Léogane en cercle pour que ça font parisien pas pour que ça quoi des bouquets pas protéger tout pour que ça gantier et que monsieur anéanti Torcel je ne parle pas de zone ça, je parle de ça, je connais. De Léogane. Sous la ville de Léogane. Ok. Donc, Léogane, oui. Mystiquement, il protégé. Bananes. Oui, mystiquement, il est protégé. Mais nous avons supposé que la République est un bon coup de main, dans ce sens-là. Oui. Et pas moi, non. Mais comme si on connaît. Si on connaît. Vous avez dit là, on connaît ça, on parle. Oui, on connaît ça, on parle. On connaît et on participe dans des bagages qui fait pour. Et ouais qui gagne rapport qui gagne à question ça pour empêcher société secrète non bah non bah société secrète mais c'est le bail tout le monde connaît que ah, okay. qui fait en pour... public en public qui fait en public oui mais on le ouais bon on quitte le sujet ça okay. Non, là... non attendez bon je vais pas besoin qu'on est non et pas curieux c'est à vraiment faire parce que écoutez c'est même j'aime dans nos confrères Abdi dans la radio pour qui ça des bandits capables pas prendre balle. Pour qui ça? L'État va engager une équipe qui a fait policier, nous ne pas prendre balle tout
Nous avons armé de policiers qui ne prend balle. Et puis maintenant, non, on ça, faire face. Il y a policiers qui ne prend balle. Ça, c'est travail policier. Ya. Et pas oublier, en dans la police, là, il y a plusieurs fractions. Il y a de policiers qui ont fait la police, ça crée les institutions de la police. Il y a de policiers qui ont fait ma police ou leur police à leur manière. Mm-hmm. Et il y a de policiers qui ont fait le police en dans la même institution. Ça. Donc, le y a toujours péjoratif. Oui, mais oui, le péjoratif, mais de ne qui en dans la police, là, qui a fait bandit information, qui a fait formation pour deux bandits, ça, c'est le police. Considéré, c'est le police. Non, ok. Bon, maintenant, et, Hervé Saint-Illus, nous pratiquement fait. Nous avons beaucoup fait le tour de la question, mm-hmm. mais nous avons dit un pile bagaille là. Sauf que, nous avons beaucoup senti que nous sommes sur route pour dégager l'horizon, mm-hmm. tout bon, pour que la paix retourne. Si nous avons une équipe bon Léogane, quelle possibilité nous avons pour nous reproduire dans n'importe quel instant tout, par exemple, pour nous être capable de traverser facilement, je veux dire, nous avons traversé la ville, là, pour comme ça, nous avons traversé Matisse, nous avons traversé Carrefour, nous avons pris une chance. D'accord. Mais Léogane différent de capitale là, et. Configuration, nous voulons dire. Oui, il est différent. Et en fond, rété sous la commune de Port-au-Prince, il y a 3 circonscriptions. Et la troisième circonscription, depuis plus passé 3 à 4 ans, il est assiégé. Il est perdu. Il y a 3 groupes bandits qui ont boumé la donne. Ou bien M. Crélé-Tête-Li Isoa, ou bien l'autre la Crélé-Tête-Li Etilapli, et l'autre la Crélé-Tête-Li Chris. Il y a une petite crasse complexe situation dans Port-au-Prince. Mais il y a résoudre. Moyennant, il y a une certaine volonté. Mm-hmm. M'a profité tout occasion pour me dénoncer l'Occident. Parce que ça qui a passé là, les États-Unis ont un pile pour louer la donne. Ça qui a passé là, la France, le Canada ont un pile pour louer la donne. Et la population a un bon mandat pour me parler avec Joe Biden, président américain, même s'il en fin de mandat. La population dit Joe Biden est trop hypocrite. La population dit président français Emmanuel Macron est trop hypocrite. Population dit premier ministre canadien Justin Trudeau est trop hypocrite. Est-ce que Haïti obligé rester collé dans dingon les États-Unis, le Canada et la France par rapport à forme de coopération et amitié que a offert pays a bon pas quoi. Bon font ti campé ou. Mm-hmm. Moi pas dire ah ici un l'autre boy cap voye amener au vin là. Moi pas dire rien à toute gauche à bras qui passe dans pays dans tête pays en tout qui te commencer à même pas défendre l'Occident bagarre moi avec ça mais on fait pas la globale on fait le général on dénonce tout le monde qui mettait pays dans sa lié là y compris gang à sa patte que je veux dire et gang à cravate. Okay. Donc sauf faire un seul côté non seul, non seul qui t'es malé on allait m'a profité pour me dire génération 1986 là les complices dans toute cette vie, je ne veux dire. Exactement. Mm-hmm. Exactement, Hervé Saint-Illus, parce que ces conséquences de mauvaise gestion de la dernière année, ça, yo, ça, je veux dire, monsieur, je veux dire, et en avançant avec Hervé Saint-Illus toujours, puisque là, nous avançons sérieusement avec Hervé Saint-Illus, qui va avancer avec nous là, et on va avancer là avec Hervé. Les complices dans toute cette vie, je ne veux dire. Mm-hmm. Après, le départ de Jean-Claude Duvalier, 7 février 1986, même si tu es venu à CNG, ouais, après venir un coup d'État, mais la majorité des gens qui occupaient l'espace public yo, ou l'espace politique, yo, c'est le monde qui fait partie de génération 86 ans, et c'est eux-mêmes qui dans toute combine avec l'Occident, avec des Haïtiens, j'en suis dit, là, qui vivent à l'étranger, qui permettent pays à la situation qui est liée, je ne veux dire. Donc là, on finit dans la dénonciation. Oui. Maintenant, qui ça nous doit faire pour nous ramasser caractère, nous connaissons là, pour nous dire que Haïti, pour Haïtien, Haïti, pas pour l'Occident. Maintenant, qui ça nous est capable de faire? Okay. Haïti ou Haïtien, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous ne pouvons pas du tout empêcher question de coopération avec d'autres pays. Mais là, nous pouvons faire interrogation sur comportement l'Occident, même si effectivement, ils ont utilisé nos compatriotes, haïtiens pareil nous, pour mettre dans la situation ça là. En fond, on virait. Gardez ce qui a passé en Afrique, avec le jeune président Ibrahim Traoré. Mm-hmm. Comportement, monsieur.
décision que il prend, même si effectivement son coup d'état le bail pour ouais gérer bagaille ou on l'autre gens ouais hein? On sorte de développement oui, mais population de elle oui, fan oui d'accord très avec bien ça. Oui très bien mais est-ce que nous pas qu'à faire et partenariat et des accords avec Ibrahim, avec la Russie et Vladimir nous Poutine, trois problèmes. Avec et président la Chine et est-ce que c'est pas parce que nous trop hypocrites, nous trop traîtres? Oui, c'est vrai. Nous trop traîtres, oui, nous trop lâches. Est-ce que c'est oui, pas c'est ça? Vrai. Et parce que tout, il y a des gens qui font beurre dans la situation que pays a yé. Oui, mm-hmm. D'accord. Ils font beurre dans la situation que pays a yé. Et c'est pour raison ça nous dit, faut qu'on combat qui engagé pour l'émergence d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan économique, ça n'a pas dit là qui a campé devant l'Occident pour dire non, forme de coopération, ça n'est pas normal. Qui a dit c'est de nouveaux interlocuteurs valables, qui a parlé avec Vladimir Poutine, qui a parlé avec Ibrahim, qui a parlé avec l'autre pays pour demander d'autres coopérations pour qu'aider une sortie dans sa là sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et sur tout l'autre plan. Parce que à une certaine époque, on s'en souvient, Haïti, nous qu'on a fait le son pour le Canada. Mais je dis, ils n'ont pas respecté. Nous t'es occupé la République dominicaine. Je dis, regardez ce qui a passé avec Haïti en République dominicaine. Est-ce que le possible? Il n'est pas possible, il n'est pas normal. Nous avons besoin de femmes et garçons qui ont tempérament et caractère pour venir occuper l'espace politique là et permettre de donner pour changer. Mais si c'est monde ça, on continue à gagner oui, des énergumènes, pays n'a pas fait, on part en avant. Il y a des gens qui ont dit comme ça, côté nouveau monde ça va le passer pour arriver sous pouvoir, parce que le système est toujours là. Oui, le système est puissant. On peut entrer là-dedans pour pouvoir former vase dans son parlement. Malheureusement, et on s'en souvient, élection 16 décembre 1990 avec Jean-Bédra Aristide. Aristide a deux pôles. Mais population massée d'elle, même s'il vient pour un coup d'État, et même pendant un coup d'État, où est population campée par rapport à un participation Aristide dans l'élection, qui t'a gagné Mac Bazin, ouais, pendant un coup d'État, moun défend et régime, m'kap di Jean-Bédra Aristide là, qui peu après, effectivement, j'en dis là, ouais, prend lavage et. lavage c'est voir dans l'Occident et puis. Il va s'amener tout. Non, il m'a dit lui. Ah, bon, okay, et puis, là. Ouais, bah, il a changé. Mais, moi, j'étais quoi? Et je suis très optimiste que le pays a le cap changé avec des hommes et des femmes qui ont compétences, qui ont caractère, qui ont volonté. Et je suis cap dit pour faire question. Bon, évidemment, avenir n'est pas dans mes noms, dans mes jeunesse, la jeunesse. Jeunes, une génération de jeunes, moi cap monter là plein de fougue et avec pile vision, bonne volonté. Maintenant, mais jeune avec jeune et moi-même me fais expérience avec mon équipe jeune et dans la génération 2004 là, grand pile dans nèg là qui passe sérieux. Ah ben évolué. On moi rien n'est statique. Nèg dans toute qualité combine. Tout est dynamique, il y a toute qualité combine. Non, il est pas possible. Oui, d'accord. Non, même ça nous parlons de jeunes, c'est avenir pays, c'est présent pays. Moi-même, ça, je voulais dire, c'est que j'ai un pile qui parle avec moi et j'ai un pile que je souhaitais faire passer là, sur le plateau. Très bien. Pour que au moins, haïtien, ouais, que j'ai de jeunes monde formés qui ont de bonnes visions, visions pour le pays, et on pas senti que c'est des monde qui viennent qui envie pour profiter de l'occasion. Non, non, c'est des monde qui gagnent des idées, ils disent que tu as même bagaille changer. Voilà, c'est masse critique là ou c'est ouais, changer paradigme pour d'accord, c'est bien. Maintenant, en donnant ce qui s'est passé hier soir, en fait hier là. Plusieurs bandits tombés. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir le fait que un peu le monde mourir? Est-ce que le patap plus est-ce que pas la plus sage, sinon tout le monde sait que Montréal est un peu plus là-dedans pour faire bail les informations de préférence qui te permettent de monter, déraciner. Oui, c'est vrai, mais si vous pas de passer, c'est nous qui t'as passé. Your. Mm-hmm. Il a toujours avec cette cellule qui lui-même a pas avancé, il a toujours dans le cas des interviews ça. On regarde avec cette cellule, on regarde avec lui. On regardait avec lui là toujours, Hervé Saint-Illus. On avançait avec lui.
on garde avec Hervé Saint-Sylvestre en lui-même. OK. Fasciné. Oui, c'est vrai, mais si vous pas de passer, c'est nous qui t'a passé. Si vous pas de passer, c'est mon Pétionville qui t'a passé, c'est mon canapé vert qui t'a passé. Mm-hmm. Très bien. Que vous passez. Et me sautant de Pierre Espérance sur disant bagarre là, m'a prêté elle. Ensemble de nèg k'ap travaille avec chef bandio, me souhaite au prendre conscience. C'est pas que chita la kaili, là moi chita la kaili. Izo chita la kaili, la boue éclairin. Et puis le voyer soldat à faire des autres, c'est eux qui ont mouru. Je pensais, même Jean Barbecue, il y a des gens qui ont demandé pour Barbecue, virer Joel Fusilla sous Oligakio, moment arrivé pour que soldat vire Joel Fusilla sous chef théoriste. Parce que le gain balle là, c'est eux, le gain boulet là, c'est eux, le gain caoutchouc là, c'est eux. Je pensais, événement passé hier, là, à porter à la réflexion. Et réflexion, ça fait ouais. Premier monde qui a mouru, c'est eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils ont fait ce que de droit, parce que le pays n'a pas continué à vivre dans cette situation. Ça. Et non, dans le moment même que nous avons parlé là, il semblait qu'il y a des bandits qui se sont entraînés dans l'église au niveau de Nazon, ils ont kidnappé un pile dans le monde qui était dans l'église. Ça n'a pas étonné. Et matin, ça n'a oui, pas étonné. Et mon monde, hier, ils ont kidnappé, je pas cité non. C'est écœurant. Donc, vous pensez que c'est un... Bon, ça a vraiment semblé que c'est une démarche de représailles. Oui, mais, bah, et porte-parole là, président, vivant ensemble dans le président théoriste dans le palais, et le palais, tout le monde doit prendre le mot, et effectivement, le dit de bagaille, il va le faire, il arrive à faire. Et ça que fait hier là, il était annoncé. Il était annoncé. Heureusement pour la population, heureusement. Pour la police, moun yote sous gardio, et puis bagay la l'passe, j'en ou elle passe ya. Et s'il pas de passe, j'en le passe ya, eh bien c'est la population qui t'a pas le payé pour casser ya. Mm-hmm. Bravo à la population, bravo à la police, kembe la, parce que c'est nous pour défendre tête nous, c'est nous pour défendre Katien, et directeur général là, te mandé mariage, la police, population. Ma profite dit DG, ya. Mariage, la police, population, c'est bien. Mais nous qu'on marié déjà avec la police, le donné au changé, la police ban gaz, yo ban bal, yo ban bâton, nous t'a souhaité fois ça son mariage qui fait pour toute une éternité. Mm-hmm. Et pour ça d'abord même pour mes opérations Bakaïla à décamper. Pas vraiment une idée, mais sauf que peut-être pas de occasion pour te permettre lui refaire surface. Et je ne veux dire mais il était commencé, étonné. Oui, 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 mais il y a des gens qui critiquent elle, et il y a des gens qui battent bravo pour lui. Et c'est peut-être des deux événements qui partent à grande envergure qui fait Bakaïla a pas et refait surface. Mais là, côté où elle paraît, il y a là, pas grand cacapelle. Sauf que, on a demandé, il faut ouvrir elle, il faut corriger pour permettre de toujours exister. Mm-hmm. Parce que son remède, oui, à terroriste, là, Bakaïla. Alors, comme c'est nouvelle que nous avons, et par contre, ce qu'on a l'église, là, c'est l'église l'Union Baptiste de Nazon. Et pas ça qu'on fasse, n'est comme des. Bon, vraiment, merci avec chaque grand monde qui t'a suivi l'émission, ça. Avant même nous venons avancer, en entendant des ambassadeurs Antonio Rodrigue dans les Nations Unies, qui lui même parlé de questions et policiers Kenya qui n'ont vraiment pas de résultat avec question insécurité qui est là dans le pays. Entendez ambassadeur Haïti dans l'ONU, Antonio Rodrigue, qui lui même parlé dans la séance publique ça que le Conseil a été organisé dans la journée qui était exactement. Qui était mercredi 20 novembre 2024, l'an dernier. En compte des récents développements de la situation sécuritaire dans la zone métropolitaine de la capitale d'Haïti, je remercie M. Djenka, Mme Juma et M. Cohen pour leur présentation. Je suis également très honoré de la présence du Dr William Pape, une référence en matière de traitement des maladies infectieuses en Haïti et dans le monde, qui nous a fait un témoignage poignant de ce supplice que vit la population haïtienne soumise à la violence des gangs armés.
Monsieur le Président, c'est avec une profonde gratitude et un sens de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de cette importante réunion du Conseil de sécurité sur Haïti. J'ai été frappé par cette grande convergence de vues qui caractérise les différentes interventions sur la meilleure formule de faire face aux nouvelles situations qui se développent dans le pays au cours de ces derniers jours. Je vois dans les nombreux commentaires formulés par les membres du Conseil une volonté de trouver une fois pour toutes des éléments de réponse appropriés permettant de contribuer à résoudre de façon durable cette crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Cela traduit une compréhension sincère des aspirations et des besoins du peuple haïtien. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre, Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées. C'est le cas de Canapé Vert, Bouvdon, Musso et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols, et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leurs maisons, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers, comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile, sont touchants. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armées et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opérations de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence Monsieur Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Une telle transformation garantirait une mobilisation plus importante des ressources, un mandat plus robuste, une plus grande participation du pays et une meilleure coordination internationale pour restaurer la sécurité et rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une mission de maintien de la paix fournirait aussi à Haïti le cadre nécessaire pour désarmer ces groupes armés, rétablir la paix et la sécurité, restaurer l'état de droit et permettre à la police nationale d'Haïti de se reconstruire. Elle enverrait également un message clair à ceux qui propagent la violence, c'est-à-dire la communauté internationale est déterminée à soutenir le peuple haïtien dans sa quête de sécurité et de justice. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer l'ordre public, il s'agit de préserver... Avec Antonio Rodrigue, on va l'avancer, toujours avec lui, pour être capable de garder et garder exactement Antonio Rodrigue. On va avancer avec Antonio Rodrigue, qui est même ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies,
qui était pas la parole à l'occasion ça. On avance avec Antonio Guillaume, vraiment, je crois que c'est vraiment important pour nous avancer. Les humaines, de reconstruire des institutions démocratiques et de redonner espoir à toute une nation. La sécurité est le socle sans lequel aucun progrès durable, que ce soit économique, social ou politique, n'est possible. Haïti se trouve donc à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte un appui conséquent, ou soit le pays, soit il laisse le pays sombrer davantage avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de nos frontières. Cette demande est soutenue par la CARICOM et l'Organisation des États américains, cette dernière ayant adopté récemment par son consensus une résolution appuyant la transformation de la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix, tout en insistant sur l'importance d'une aide internationale continue pour restaurer la paix, l'état de droit et la démocratie en Haïti. Ce soutien est crucial non seulement pour la sécurité immédiate, mais aussi pour garantir la stabilité à long terme du pays et de la région. Nous remercions ces deux organisations pour leur engagement dans la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne. Cette nouvelle mission d'opération de maintien de la paix dans le pays aura à fonctionner en tirant des leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs de la MINUSTAH. Nous invitons aimablement le Conseil de sécurité à prendre cette décision qui soit à la hauteur des enjeux du moment dans le cadre de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et montrer au peuple haïtien que la communauté internationale reste fidèle à ses principes de paix et de sécurité. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette crise et faire renaître l'espoir. C'est le vœu du gouvernement et du peuple haïtien. Monsieur le Président, en conclusion, Haïti est à un moment critique de son histoire. L'inaction ou une réponse insuffisante risquerait d'aggraver une situation déjà désastreuse. Le Conseil de sécurité a l'occasion de démontrer sa capacité à répondre aux défis mondiaux les plus pressants en agissant avec détermination et solidarité. J'exhorte donc les membres du Conseil à répondre favorablement à l'appel du gouvernement de mon pays et à transformer la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix pour le bien du peuple haïtien et pour la stabilité de notre région. Merci à tout le monde. Nous avons continué à mettre en journée avec le collaborateur Desi Venesse pour nous continuer à informer nous de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous avons croisé.